Maxime. Bah là, elle doit être à 12, non? Ouais, sûrement. Non, j'ai mangé quoi? Non. On y va, elle parle pas trop fort quand on va sur un reportage à la vidéo. Ouais, je sais pas. Aïe, 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 elle vient de faire un signal au mal, là. Elle trouve la technique de comment poser, je crois. D'un autre côté, coûte que coûte, c'est la première, donc faut qu'il trouve, il trouve le coup, faut que le mâle il réussisse aussi à les féconder, t'as vu ça. Ah ouais, non mais elle est bouillante quoi. Je sais même pas, tu vois, si le mâle il est tout, il est aussi prêt que la femelle à assumer une pompe, tu vois. Flash. Ouais. C'est qui? Non, par contre, là, je vois très peu. Ah, le mal, il commence à passer derrière. Quoi. Par contre, t'as vu, il n'est pas passé au même endroit que la femelle. Aïe, 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 s'il passe juste derrière. Oh, il y a le pigeon bleu qui est juste à côté là. Ouf. Oh merde, regarde qui c'est qui se ramène en bas en plus. Dans Cistrus, c'est laissé où il y a. Et ça, c'est un putain de signe. Parce que moi, je te le dis, à chaque fois que la femelle a pisto ou que... Regarde, c'est où il y a qui vient direct. À chaque fois que les apisto ou que les... Oui. À chaque fois que les apisto et les liotis, ils ont essayé de pondre, il y avait tous les laveurs de carreaux, entre guillemets, là, qui étaient pas loin en train de y repère direct, à mon avis, le frère. Je soupçonne la présence d'un mec. Oui, pareil. Oui, voilà, exactement, je voyais. Tu vas jamais t'arrêter. Attends deux secondes. Salut.